Je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu. J'ai pas les droits d'auteur, j'ai pas les droits d'auteur sur cette chanson, j'ai pas les droits d'auteur. Partagez les amis, abonnez-vous sur cette page, la page de l'heure. La page de l'heure, abonnez-vous sur cette page, Ndolo Moulema Bis. Abonnez-vous sur Ndolo Moulema Bis, la page de l'heure. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. La page de l'heure. Anne Wama, on peut faire ça. Oui. On peut faire ça. On peut faire ça, Adama. Adama. Abonnez-vous, hein, abonnez-vous sur cette page-là. Abonnez-vous. C'est comment? Vous voulez éteindre ma lumière? Comment vous faites ça? Hein? Comment vous voulez faire ça? Voilà. Moi-même, attendez. Hein. Mettez à me partager. Parce que c'est très important de partager. Miayemna, je suis la nouvelle pimentière de 50 euros. Il faut mettre à me partager. Abourbambe, ce n'est pas vrai. Laissez-moi partager un peu, non? Voilà. Voilà. Même en y partager. Comme une nouvelle star. Pourquoi vous voulez m'éteindre? Vous ne pouvez pas m'éteindre sur Facebook. Yes. Pourquoi vous voulez? Non. Vous ne pouvez pas m'éteindre. Ma benne. Je ne veux pas. Ma benne. Voilà, c'est ce que je voulais vous signifier. Comme je vous ai dit tantôt, il y a une dame qui a escroqué l'argent d'une famille pour pouvoir voyager, alors qu'on lui envoie l'argent tranquillement pour faire des constructions. Cette dame, elle a pris cet argent, elle est partie avec. Donc, s'il vous plaît, si vous avez les nouvelles de cette dame, si vous avez vent de cette dame, venez m'écrire en inbox, c'est très, très important. C'est très important. Voilà, c'est cette dame-là, s'il vous plaît. Si vous la voyez quelque part, n'hésitez pas à faire signe. Parce que la maman qui a envoyé cet argent n'est pas du tout bien hospitalisée. Cette dame qui a envoyé l'argent à cette dame-là, qui a pris cet argent et voyagé avec. Voilà. Donc, je vous en supplie, si vous avez les nouvelles de cette dame, faites-nous signe. C'est très important. Voilà. Ça, c'est entre parenthèses. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous avez passé un très beau week-end qui était mouvementé dans la toile. Moi, j'ai très bien dormi. Hein. Je suis de bonne humeur. Je suis de très, très bonne humeur. Donc, on va écouter un peu l'attendant que les gens se connectent. Les gens se connectent. Donc, c'est très important. Oh là 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 là. Il n'y a rien dans jalousie. Hein. Bon, on va écouter un peu. J'ai pas les droits d'auteur. C'est pas ma force, mais la sienne. Je donne tout à Dieu. Adieu. Attendez, je fais quelque chose. Cet argent, elle est partie avec. Donc, s'il vous plaît, si vous avez les nouvelles de cette dame. Voilà. Pas. Cette chanson. Non. Direct. Envoyé. Voilà. Donc, j'espère que ça va venir pour que je puisse. Faire le travail. Voilà. Bon, ce que. Voilà. Non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Non. Pourquoi il n'y a pas épinglé? Ah, voilà. Voilà, épinglé. Voilà, super. Voilà, c'est bon. Pas les droits d'auteur. Voilà. Il semble que le blocage va être de taille. Moi, je dis que je ne vous lis plus. Même vos noms. Je bloque tout simplement. Sans effort, en fait. Voilà, parce que vous faites tellement la sorcellerie sur Facebook. Vous êtes tellement d'une aigreur qui n'a pas de nom, d'une méchanceté qui n'a pas de nom, vous les Camerounais.
Tu viens, tu vomis un truc comme ça là. Juste pour m'enlever de l'énergie. Donc que je n'ai rien à faire ou quoi? Hein? Mais belle que Dieu me boit. Dis ben. Je suis là pour toi, ma mère. Bah, bonjour, bonjour tout le monde. Quand elle vous dit toujours que la personne qui n'a pas ça là. Je suis fatiguée. Là là. Hein? Là là. Là là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez souvent là, comment vous dites que moi je n'aime pas, je bavarde pas beaucoup. Comme je vous dis là, les 50 euros là, voilà, je vous montre ce que je fais avec les 50 euros. Hein? Ni bambedama, et bambedama, 50 euros. Anouama, anti. Mais elle m'a même la remise ma boue, bobo, et boue, tu vois. Hein, voilà ça. Là, le premier immeuble là. Hein? Venez voir. Faut qu'on a commencé déjà avec. C'est ça là. Et bambé 50 euros. Zali yen, abo bambé se. On a commencé à faire les balcons. Voilà. Tout doucement. Voilà. J'ai dit que. Vous allez boire que le sucidoc. La personne qui n'est pas contente saute et cale en l'air. Vous allez boire le sucidoc. Il dit que je suis, je vous appuie que sur ça là. Voilà, c'est que les 50 euros là. Voilà ça. Voilà. On a commencé déjà. Vous voyez, on a commencé à mettre que. Voilà ça. C'est que les 50 euros font. Voilà, bas. Voilà le deuxième là ici là. Comment tu vas, ma yam sœur? Ma yam sœur Raïssa Tchana, comment tu vas? Vous voyez que même quand on s'amuse, le travail avance. Voilà. Après, on va entamer les baies vitrées. On va entamer le crépissage. Voilà. Voici le deuxième immeuble ici, là. Voilà le deuxième qui est là. Vous voyez, c'est posé déjà. Tout doucement, tout. Et comment dire, dès que quand vous avez fini de faire le fumafou, vous allez prendre vos retraites là et tout ça là. Vous venez, hein. J'ai même ma maison en location. J'ai même ma maison en location. Daniela, tu insistes, je vais te bloquer s'il te plaît. La personne qui n'est pas contente, sort de mon direct. La haine là, je ne suis pas dedans. Ok? Là là, voilà ça. Passeport. Voilà ça. Il me sent. La personne qui n'est pas contente, dégage rapidement de mon direct. Ok? Je suis en train de répondre. Et voilà ça que je suis en train de répondre. Je mets ça en œuvre. Voilà ça. Voilà ça. Les gens qui me clashent ça, qui viennent aussi vous montrer aussi. Qui viennent vous montrer ça? Le permis de conduire. Qui viennent vous montrer ça là? Il n'y a pas que de laisser ça. Hein? Maintenant, je vous montre maintenant mes immeubles. C'est comme ça qu'on répond. Puisque ça vous tue, ça vous pionce. Puisque vous avez envie d'aller vous jeter. Car il dit que c'est où j'appuie le couteau. Pour vous dire qu'on n'est pas pareil sur Facebook. On n'est pas pareil sur Facebook. Mon piment pique. Et voilà le résultat de mon piment. Voilà ça. Le résultat de mon piment de 50 euros. Quand on me tombe avec, on me tombe. Le pépé, un tombeau. Moi, je suis parlé de un homme. Je suis parlé de un homme. Un homme que je donne encore, on me tape encore dessus. Elle donne à l'homme, on la tape encore dessus. Voilà moi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Daniela, tu ne comprends pas quoi dans ça? Tu ne comprends pas quoi dans ça? Je suis en train de répondre. Vous voulez qu'on veut juste épuiser. Voilà que je réponds. Avec les papayes et tout ça, tout est. Voilà ça que je réponds. Mais, voilà. Vous voulez qu'on réponde? Il y a plusieurs manières de répondre à quelqu'un. Hein? Comment vous voulez? Je dois souffrir de quoi? Une personne qui n'a pas ça. Une personne qui n'a pas ça. Je ne sais pas, je me tue à vous dire que si elle n'a pas de passeport, elle n'a pas ça là. Je ne sais pas en fait, vous voulez qu'on aille où? Voilà maintenant mon tumpepe de 50 euros. Voilà. Maintenant, tu ne veux pas voir maintenant. Mais où on m'insulte là-bas que j'ai fait le pépé de 50 euros. Maintenant, tu veux voir maintenant les choses. Tu ne veux pas voir ou pas mes pépés. Ou pas mes 50 euros. Maintenant, ça que tu manques ou pas mes 50 euros. Maintenant, tu ne veux plus voir Daniela. Madi Pendi Chou. Véronique Amas, bonjour. Voilà, bas. Ouais, le deuxième là, ici, là. Merci Catherine. Voilà. Merci Géant Vert. Vous voyez que même quand ça. Voilà ça. Voilà d'où pas mes 50 euros. Attendez, je vous montre maintenant ce que j'ai fait au village. Quand j'ai fait, je suis en train de faire deux immeubles au camp 1 à Yaoundé. Et j'ai construit à ma grand-mère une villa de 6 chambres sur 300 mètres carrés. Hein, ma Safi, tu es où depuis ma Safi? Hein? Mon piment pique. J'ai conçu à ma grand-mère
une villa de 6 chambres, 2 douches, dont ma chambre est dedans avec la douche. Je vous ai manqué ça au village. Voilà d'où pas mes 50 euros de mes pépés. Voilà d'où pas mes 50 euros. Et je suis fier. Oui, on dose ça. Les clients dosent ça. Parce que c'est ce que vous aimez entendre, non? Vous aimez quand vous aimez entendre ça? Parce que quand vous dites les vérités, vous ne comprenez pas. Vous aimez quand on ment. Là, vous y croyez en fait. Et c'est ça qui est bon à moi. Attendez, vous montrer. Les trois chambres. Les que j'ai fait 6 chambres. Et j'ai fait 3 chambres à louer. Voilà ça. Vous voulez quoi? Les 3 chambres. Voilà, les 3 chambres à louer. Voilà où les pépères, les 50 euros vont. Voilà où les pépères. Regardez. Ah, d'accord, sa fille, tu te l'accordes dans le carême, d'accord. C'est comme ça, même rien fait. Voilà, regardez. On a mis la peinture, regardez vous-même. Voilà où le père paie pas. Et Azambe. Voilà. C'est grave, hein. C'est très, très grave. On a mis la peinture, c'est comme si rien n'était. Voilà 3 chambres à louer à ma grand-mère. Malgré que ma grand-mère est morte, mais la maison est là, ça ne peut pas déconner, ça ne peut pas décoller de là. Voilà maintenant, les gens qui viennent d'arriver, voilà où le père paie pas. Voilà, bien vécu, maman. J'ai fait ça là. Et ça là, c'est, j'ai conçu ça sur 300 mètres. Donc, vous pouvez imaginer la taille du salon. Oui, Véronique Amas. Oui. Je vais vous montrer. Merci, Catherine. Voilà où mon père est pas. J'ai fait ça la façon de Yaoundé. Vous voyez là. Voilà. Là, on va mettre le ciment. On va couler ici là. Merci, géant vert. Voilà, on va couler là. Là, les gens pourront s'asseoir. Tranquillement, tranquille. Voilà. Mais comment c'est? On passe au temps à se moquer des gens. Je ne comprends pas en fait où il faut se moquer là. Juste le plafond, hein. Voilà ce que mon père paie de 50 euros. Le plafond, maman. Voilà ça. Facile. C'est le plafond qu'il faut mettre ici là. Merci, ma Safi. Oui. Merci, voilà, Véronique Amas. Ma chambre est dehors. Voilà ma chambre là. Voilà ma chambre c'est ici. Dehors, ma chambre. Voilà. Oui. Oh, moderne. Comme à Yaoundé. Regardez comment c'est joli. Bombo. Regardez comment c'est joli. Vous voulez que je me plaigne de quoi ici, là? Merci, Elodie. Regardez vous-même. Oui. Au village, hein, Bézicré, au village. Je n'ai pas fait de la gnognote, hein. Voilà. Vraiment, vous voyez les Bézicré. Merci, Véronique. Amant, on ne répond pas à tout. On ne répond pas à tout. Voilà. À tout. Voilà, on ne répond pas à tout. Merci, Véronique Amant. C'est pas la gnognote, merci, hein. Merci, Livia. Voilà ce que j'ai fait avec mon pépé. Merci ma reine de beaucoup, ma BS. Voilà, c'est parce que c'est le village qu'il faut négliger. Hein. Voilà. C'est pas parce que c'est le village qu'il faut négliger. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci Jack. Bon. Voilà les 3 chambres. Voilà les 3 chambres à louer. Et les 3 chambres à louer sont à 20 000 au village. Plafonnées, carrelées. Et voilà la peinture. Voilà où pas mes pépés. Je vous ai montré mes 2 immeubles. Attendez. Maintenant, je vous montre maintenant pour vous dire qu'on n'est pas là pour de la gnognotte. Je ne suis pas venu rigoler avec vous. Voilà ça. L'immeuble qui commence là. Voilà où va mon pépé. Voilà, voilà mes 50 euros. Ah, merci l'appel. Ah, voilà l'appel. Voilà. Voilà. Voici Perle de Jésus. Elle est venue au deuil. Voilà. Et regardez ce qu'elle a écrit. Elle a écrite. Voilà Perle de Jésus. Elle était au deuil, au village. Elle a vu. Ce que j'ai fait. J'ai dit, ben, j'ai conçu sur 300 mètres carrés. 300. Vous connaissez ce que ça fait comme argent?
6 chambres. Et les chambres sont bien grandes. Voilà ce que j'ai fait de mon pépé. De mes 50 euros. Quand tu viens t'asseoir, Ngossa, tu crois que tu peux me rabaisser? Tu ne peux pas me rabaisser. Tu ne peux pas éteindre ma lumière, ma chérie. Tu ne peux pas. C'est moi qui n'ai que diamant bleu, pas toi. Moi, je suis diamant bleu. Voilà ça. Il y a un moment, il faut fermer sa bouche. Ferme ta gueule, Ngossa. Derrière. Le derrière ici là. Et le derrière a les cuisines. Va les balcons. Les balcons de derrière. Là, on les cuisines, on les balcons. Voilà. Les cuisines ont les balcons. Va les balcons de cuisine. Balcons. Donc, quand tu prépares la cuisine, tu as ton balcon, tu peux mettre ce que tu veux là derrière. Et va le derrière. Alors, voir ce que les gens l'ont fait. Alors, on a fini de parler. Ils ont manqué la serviette. Ils ont manqué bien, bien, bien installé. Alors, bonjour, Chénésien. Voilà où mes 50 euros de pépé part, Ngossa. Voilà où mes 50 euros part. Viens voir où mes 50. Voilà, ça va, mon immeuble. Voilà où mes 50 euros part. Voilà. Voilà mes deux immeubles. Et je. Ngossa, voilà mes deux immeubles. Maintenant, je te montre, merci Clément, je viens te montrer au village, une villa de 6 chambres. Voilà ce que j'ai fait à mon pépé. Je suis Bamileke Etone et fier dès que Banganté, dès que Etone de la Likié. Je ne suis pas venu rigoler en France. On est venu en détail. On était amis, tu étais une connaissance. Voilà ce que j'ai fait pendant que j'étais avec toi. Malgré que tu as escroqué tous les agents de PayPal, tous les agents des orphelins, et ce que la milliardaire t'a donné, et tes huiles que tu vendais, et l'agent de Facebook, tu avais au moins 3000 euros par mois pour l'agent de Facebook. Moi, mes pépés de 50 euros, que tu te moques là, de 50 euros, va le travail de ça. Va le travail. Maintenant, basculons maintenant le côté de ma mère. Ma mère, elle a un complexe. Ma mère a un complexe. Maintenant, bascule au côté de ma mère. J'étais à manquer mes deux immeubles dans Ngossa. Maintenant, je t'ai montré la maison que j'ai faite de toi et ça m'a pris 30 millions. 30, et je n'ai même pas encore fini. Je n'ai même pas encore mis le balcon. Ngossa, vous qui venez vous asseoir, vous parlez de Ndolo Moulema. Regarde, voilà ça. Voici mon passeport français. Voilà mon passeport français. Voilà ça. C'est la photo de personne. Voici ma photo. Je ne montre la photo de personne ici, Ngossa. Je suis française. Je suis venue à l'âge de 15 ans. J'ai dit qu'aller fouiller où il y a mes diplômes. Je vous ai montré toutes mes écoles ici. Bon, voici ça ici. Voici ça. C'est la photo de personne. C'est ce que tu demandes, Ngossa. Viens répondre, voici ça. Permis de conduire, nationalité française. Je suis française. Et je les ai eus à quel âge? À l'âge de 18 ans. J'avais la carte circulaire que les enfants ont souvent quand ils sont mineurs. Ngossa, tu ne peux pas me descendre. Je ne connais pas peut-être les clashs. Peut-être que je suis peut-être maladroite. Au point où on me soupçonne que j'ai fait des choses avec toi. J'étais avec toi avec un seul cœur. Et pendant que j'étais avec toi, j'étais en train de partir tout ça là. Et ma grand-mère est entrée dans cette maison. Je suis allée enterrer ma grand-mère avec ma mère. Tu as vu, j'ai tout montré. J'ai tout montré, Ngossa. Tu me veux quoi en fait? Tu veux venir m'humilier en disant que j'ai fait la pute à 50 euros? Voilà ça qui donne, voilà les 50 euros. Voilà les 50 euros que je suis en train de montrer. Voilà le duplex de l'enfant. Hein. Voilà le duplex du petit gars là, du Cameroun. Voilà son duplex. Le petit garçon là, le petit handicapé. Voilà son duplex. Voilà sa maison. Le petit garçon qui est allé vous parler chez le PM Sang. Voilà ça. Voilà sa maison ici. Un petit garçon qui a la même milliardaire qui te donne de l'argent. Regarde ce que le petit garçon a fait, a bâti. Regarde. Merci Clément. Mais voilà Stéphane, exactement, j'ai un verre. Stéphane, voilà ça. Duplex, le petit garçon du Cameroun. Et la bite, voilà, c'est Stéphane, exactement, Rosanne. Comment tu vas, ma Rosanne? Voilà ça. Compresseur, tu vas te moquer de nous. Voilà ce que le petit garçon a fait. Avec l'argent. L'argent de la milliardaire. L'argent de la milliardaire. Voilà ça.
Il n'a pas mangé avec toi. Toi, tu partais dans les restaurants avec Thierry, la pute. Tu partais avec lui dans les restaurants. Vous partez dans les grands restaurants, tu as oublié. Où il partait te t'appuyer là-bas, où tu rentrais avec les plaies là. Où il partait te tabasser là-bas. Mais le petit gars, le temps qu'il était avec toi, voilà ce que lui faisait. Voilà ça. C'est qui l'idiote? C'est qui la stupide? C'est qui la bête? Tu es maudite, Ngosa. Tu es maudite. Et pendant que tu es là comme ça, là, que tu ne fous rien de ta vie, voilà, comment dire, Michel Essomba. Michel Essomba qui a ouvert sa boutique. Sa boutique à La Rochelle. Regarde, tous les gens qui sont autour de toi font des choses merveilleuses. Mais toi, tu fous quoi en fait? Tu es un mec là, tu écoutes les voix où je te disais que j'ai fait la pute à 50 euros. Voilà 50 euros ce que ça donne. Voilà ça. Mes deux immeubles, je construis au village. J'ai fait trois chambres à louer pour ma grand-mère, pour qu'elle soit tranquille. Elle a de quoi manger tous les petits, tout, avoir le petit déjeuner. Et c'est ça que tu veux t'asseoir pour venir se moquer? Non, Facebook c'est le cardio, ma chérie. Ne t'inquiète pas, tu ne peux pas me sous-estimer. Tu ne peux pas me rabaisser. Ngosa, tu ne peux pas. Et te dit Catherine, bravo Stéphane, tu es un homme. La binda a payé, et lui. Comment tu vas, ma Kenzie Dika, ma BS? Le state est là, la dipendi chou est là, le state est là. Dream Club, tu es où? Dream Club, réveille-toi, ma chère. Réveille-toi, tu es où? Donc, c'est pour vous dire que je voulais vous montrer tout simplement ce que le petit Stéphane a fait au Cameroun. Je voulais vous montrer mes immeubles et la maison que j'ai construite au Cameroun. Et je vous dis pour finir, je suis française. Et voilà ce que je demande à Ngosa depuis. Je dis que voilà ça. Voici ma photo. Je demande à Ngosa de venir montrer ça depuis. Elle conduit. Oui, la vraie milliardaire Ndolo Moulema. Pas le... Merci Claudine. Voilà ça. Pour mon cas, voilà ça. C'est pas, je ne manque pas le papier d'une autre personne, Ngosa. Je ne manque pas le papier d'une autre personne. Moi, voici. Ngosa, dis-moi un peu en quoi tu me vaux. Bonjour la maîtresse, la seule maîtresse. La seule maîtresse de la toile. Il n'y a pas ton deux. La seule maîtresse. Merci, ma fouflore. Je ne peux pas. Tu ne peux pas te mesurer à moi. Tu ne peux pas te mesurer à moi, compresseur. Laissons Facebook dans la réalité, dans la vraie vie. Merci, Adèle. Tu as dit que ta maman a travaillé à Camtel. Ta mère a travaillé à Camtel. Ma mère a dit que pour qu'elle vienne te répondre, bonjour Mireille, pour qu'elle vienne te répondre, il faut que tu montres le bulletin de paye de ta mère à Camtel. Elle viendra sortir pour elle. Ma mère, c'est une ancienne, elle est retraitée. Elle touche son salaire et ses maisons. Elle touche 1 million de francs CFA. Tu me mets à l'épreuve, elle vient montrer. Ma mère touche avec ses maisons. Elle a un complexe. Avec ses maisons, elle touche 1 million avec sa retraite et ses maisons de location. 1 million. Ngosa, ma mère était dans l'armée. Les premières femmes en 84. Tu ne peux pas venir saler ce qui est propre. Ma mère, je l'adore. Comment tu vas, ma soeur? Moi, Nancy. Nancy Butti. Nancy Delacroix. Je t'adore. Voilà tes cœurs comme ça, là. Là, ça, c'est ce qu'on appelle une soeur. C'est ce qu'on appelle une sœur. Donc, tu ne peux pas venir me rabaisser. J'ai une famille qui me respecte. J'ai mes petits frères qui me respectent. J'ai mes petits sœurs qui me respectent. Parce que je suis la grande sœur. Je suis l'aînée d'une famille. Même si j'ai ma petite sœur, comme tu dis que oui, ma petite sœur, ses enfants sont à la DAS. Il faut que j'aille m'en occuper. Ma petite sœur s'occupe très bien de ses enfants. Malgré que les enfants de ma petite sœur sont à la DAS, elle s'en occupe. Elle part de rendre visite quand ça se doit. Et ma petite sœur, c'est une belle femme. Elle a le chez elle. Ma petite sœur a le chez elle. Elle a son contrat de bail. Et elle paye son loyer. Tu me dis que j'aille m'occuper de mes neveux? Ma petite sœur n'est pas irresponsable. Elle s'occupe très bien de sa petite famille. Pour ta gouverne. Je n'ai pas honte de ma petite sœur. On est même père, même mère. Il n'y a pas les demi-sœurs. C'est ma sœur. Je l'assume demain et après demain.
Ma petite s'occupe très bien de ses enfants. Ils sont à la DAS, mais ça m'occupe. D'accord? D'accord pour ta gouverne. Tu ne peux pas salir ce qui est propre. Tu ne peux pas me salir. Je viens de te manquer mes deux immeubles. Je viens de te manquer la maison que j'ai faite. Seigneur, à mon âge. Regarde mon âge, Ngossa. Regarde tout ce que j'ai déjà abattu sur terre. Quand même si je meurs comme ma soeur Nancy Butch a dit, si je meurs, on parlera de mes immeubles. Voilà perle de Jésus qui est venue chez moi, au village. Vous croyez que toute la famille qu'on a reçue là, c'était dans ma maison de construction. Je dis que j'ai construit sur 300 mètres carrés. Vous pouvez imaginer un peu la taille des chambres. Vous pouvez imaginer la taille des chambres. Je ne sais pas où j'ai mise. Quand je filmais, je ne sais pas où j'ai mise en fait. Quand je faisais visiter, ah oui, c'est sur Facebook, quand je faisais visiter. J'ai montré ma chambre quand je faisais visiter. J'ai montré tout quand j'étais sur Facebook. Je suis une grande sœur qu'on doit être fière. Ngossa. Je suis une grande sœur qu'on doit être fière. Mon piment pique. Mon piment pique. Voilà où pas mes 50 euros. Mes 50 euros du piment. Voilà ça qui vient te manquer, Ngossa. Attends, maintenant, je te manque pour ma mère. Quand vous croyez qu'on doit avoir honte de famille, peut-être que toi, ta mère va la cacher. Ta mère ne vaut rien devant ma mère. Il n'y a pas match. Moi, d'abord, personnellement, je te dépasse. Laissons Facebook. Laissons le fuma-fuma. C'est que tu veux me salir, là. Laissons ça. Allons dans la réalité, maman. Parce que la réalité va nous rattraper. Après 5 ans, quand tu vas vieillir, la réalité... Oui, Zebeda. Il dit que 300 mètres carrés. Bref, c'est grand. C'est que j'ai vraiment. Quand il dit 300 mètres carrés, c'est vraiment 300 mètres. Oui, je construis un grand cul. 300 mètres carrés, oui. 300 mètres carrés, oui. C'est ça, oui. Je te jure, Rosanne. Je te jure. Hein? Le petit Stéphane a construit devant toi. Devant toi. Tu escroquais l'argent de la milliardaire, il escroquait l'argent de la milliardaire, mais il a fait quelque chose de bien avec ça. Non, c'est pas la serpillère, c'est pas la serpillère. Il fait froid, la lionne, il fait froid, c'est pas la serpillère. Je mets pas la serpillère, mais c'est pas de ma faute si vous vivez pas en France, je sais pas. C'est pas une serpillère. Il fait froid. Maintenant, attends, je te montre maintenant pour ma mère. Tu as dit que ta mère travaille à Camtel. Ma mère était ancienne militaire. Elle a fait sa carrière. Elle touche sa retraite. Et pas une petite retraite. Ma mère touche 1 million de francs CFA. Avec ses maisons. Voilà. Parce qu'il y a un moment, il faut arrêter. On se mélange tout sur Facebook. Oui, c'est pas la serviette. Non, c'est pas la serviette. Attends, je te montre. Parce que vous aimez trop mélanger les gens. Vous aimez trop mélanger les gens sur Facebook. Voilà ça. Voilà pour ma mère. Merci Zaria. Donc, Gossa, quand tu viens t'asseoir, tu veux faire genre, tu te moques de moi. Tu as vu ce que ma mère a bâti? Tu as dit que ta maman a travaillé à Camtel. Qu'elle vient de manquer le bleuton de paix. Ma mère a dit que pour te répondre, tu as vu ce que ma mère a fait? Ma mère a l'immeuble. Elle a une mezzanine. Et il y a la maison familiale. Je ne sais pas si j'ai ça ici. La maison familiale, Gossa. Attendez. Parce qu'elle dit qu'elle touche 1 million, ses appartements, hein, elle est à plus de 100 000, ses appartements. Tu peux pas venir me souiller, tu ne peux pas venir me manquer de respect. Tu ne peux pas. Il y a un moment, on se mélange tous sur Facebook, mais on se mélange sur Facebook, mais on n'est pas pareil. On n'est pas pareil, Ngossa. Ta maman ne vaut pas ma mère. Ta maman vit chez un homme.
Ta maman vit chez un homme. Que si le monsieur la meurt, le monsieur a ses enfants, on va la foutre dehors. Tu vas mettre ta maman, elle serait SDF comme toi. Est-ce qu'elle serait SDF comme toi? La lionne, tu parles encore fort là, elle te bloque sur mon direct. Hein. La lionne, tu parles encore fort, elle te bloque sur mon direct. Je ne suis pas là pour blaguer. Je crois que toi, tu m'as tellement bien lavé, la lionne. Tu m'as tellement méprisé. Tu vas revoir ce direct en différé. Donc, ne parle pas fort sur mon direct. Ce n'est même pas le mépris. Et surtout quand je suis sérieuse comme ça. Si tu n'es pas en bain, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui ai été payé le billet d'avion pour venir. Il y a un moment, il faut arrêter. Moi, voici ici, là. Quand je suis venue ici en France, moi, voilà qui était petite. Moi, voici ici, là. À l'âge de 15 ans, qu'on se moque de moi, que je ne sais pas écrire le français. Moi, voici ici, là. Et c'est mon petit frère qui est derrière. Moi, voici. Là, c'est à la tour Eiffel. À la tour Eiffel. Moi, voici. Je ne peux pas salir ce qui est pomme, Gossa. Voilà le tigre foncé. Voilà le tigre foncé. Je ne vous manque pas le nom. Mais moi, j'ai conçu sur la route d'un fou. Sur la route d'un fou. Vous partez en fou, au cadastre. Vous partez au cadastre. Voilà. Voilà mon tigre foncé. Voilà pour ma mère. Voilà pour ma mère. Gossa, viens montrer pour ta mère. Le tigre foncé pour ta mère. Viens montrer ce que ta maman a fait au Cameroun. Et tu manques le salaire. Ma mère touche 1 million de francs CFA au Cameroun. Elle a son complexe, son immeuble et sa mezzanine et la maison familiale. Tous sont pas se réfugiés. Ma mère a dit que pour qu'elle réponde à ta mère, comme tu l'as insulté, tu as insulté ma mère. Tu as dit que ma mère fait la pute. Tu as dit que ma mère et moi, on allait voir les marabouts. Tu as lavé ma mère plusieurs fois. Tu as touché ma mère plusieurs fois. Tu as dit que ma mère est partie en prison. Je vais parler avec toi par 4 chemins. Voilà, je dis que voilà le tigre foncé de ma mère. Et ma mère est française comme moi. Et ma mère a le permis de conduire. Ma mère a le même permis de conduire. Ma mère a le permis de conduire. Elle a le passeport français. Ma mère. Et elle vit chez elle. Elle ne vit pas avec un homme. Elle ne vit pas avec un homme. Donc elle est autonome. Vous aimez entendre que il faut toujours tout le temps mélanger les gens. On vient, on bavarde, comme je ne sais pas quoi. Et toujours pour quelque chose de manque de respect. Voilà ça. Je vous ai montré l'immeuble. Voilà le coduplex là-bas. Regarde, voici la maison familiale ici là. Voici encore. Tu vois, voilà la grille. Voilà la mezzanine ici là. Tu vois que je vais avoir honte. Honte de quoi? Honte de quoi, Kota? Voilà ça. La concession de ma mère. Rien que seulement ma mère. Hein. Voilà les locataires là-bas. Voilà les locataires. Tu vois un peu. Les gens parlent de quoi? D'accord, Donnie. Les gens parlent de quoi, Kota? Voilà ça ici. Ok, Donnie, j'ai compris. Voilà. Vous voyez, à vous dire souvent que je ne peux pas avoir honte de ma mère. Ma mère est en complexe. On est assis. On est assise au Cameroun. J'ai 2 immeubles. J'ai consulté au village. Comment tu vas, ma Mimi Rose? Ma Mimi Rose, je sais que j'aurai des cœurs. Merci, ma Mimi Rose. Donc, toi, merci, ma Nancy Butch, ma sœur de cœur. Ma sœur, je t'aime très fort, ma Nancy Butch. Tu m'as prise. Tu as dit que toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Tu as dit que oui. Là, comment je peux avoir les larmes aux yeux? Tu as dit que oui. Ndolo Moulema, tu es ma sœur. Demain, jusqu'à la gare. Nancy, je n'ai pas de mots pour expliquer ce que je ressens pour toi. Il n'y a que le temps qui va nous dire. Il n'y a que le temps qui va nous dire. Tu m'as prise derrière ton dos. Les gens de Facebook ont voulu nous malaxer. On s'est appelé en aparté. On a discuté comme des grandes personnes, comme des adultes. Ma Nancy Buti, merci de m'assumer. Comment tu vas, Michel Nadine? N'oubliez pas la soirée du 1er juin, la nuit de la diaspora. Number one, je suis l'une des invitées prestige. L'une des invitées prestige. Le 1er juin. Voilà, vous voyez que mes portes commencent à s'ouvrir. Tu ne peux pas m'écraser. Tu ne peux pas m'écraser, Ngossa. Tu ne crois pas que tu peux me rabaisser. Regarde, je ne te clash pas. Je manque tout simplement mes œuvres. Je suis à 400 personnes.
Je manque tout simplement. Je dis que ma petite soeur, mon petit frère, ma famille doit être fière de moi. Avec mon âge, je n'ai même pas encore 50 ans. Regarde ce que j'ai accompli. Je n'ai même pas encore 50 ans, Ngossa. Ngossa, je n'ai même pas encore 50 ans. Regarde ce que j'ai déjà accompli. Comment tu vas la Black Beauty? Imagine alors ce que je peux encore faire quand j'ai fini mes deux immeubles. Imagine ce que je veux continuer à faire. Je suis Bamileke, Banganté de Banyoun. Je suis étonné. Ma mère est étonnée. Mon père est Banganté. Je ne suis pas venu donner l'oeil ici en France. Je suis venu me battre. Je suis venu chercher l'argent. Et quand j'ai fini d'abolir, d'abattre le travail, je pourrais rentrer tranquillement. Et toi, Ngossa, je viens attendre que tu viennes louer. Je viens attendre que tu viennes louer. Parce que toi et moi, tu perds ton temps sur Facebook. Moi, je ne perds pas mon temps sur Facebook. Comment tu vas, ma Loumèze? Merci, ma Loumèze. Yolande. Donc, tu vois, je n'ai pas besoin de t'insulter. Je suis venu te montrer que voici celle-ci là. Je suis française. Permis française. Là. Je t'ai montré mes immeubles. Je t'ai montré la maison. Ceux qui n'étaient pas là, qui viennent d'arriver, vous allez revoir les remembers parce qu'elle ne peut pas reprendre pour vous. Merci Zara pour tes cœurs. Je t'ai montré le complexe de ma mère. Dis-moi à quel niveau je dois avoir honte. Dis-moi, Ngossa, à quel niveau je dois avoir honte que je tourne le pépé à 50 euros. À quel niveau? Qui me vaut parmi vous les stars Brakata là? Parmi vous les stars Brakata. Et vous voulez que je ne me vante pas avec mes immeubles? Vous voulez que je ne me vante pas avec la maison que j'ai faite à ma grand-mère? Vous voulez pas que je me vante? Mais vous voulez que je me vante avec les affaires de qui? Vous voulez que je me vante avec quoi? J'ai dit que j'avais un niveau BTS, vous m'avez insulté. J'ai jamais dit que j'ai obtenu le BTS. J'ai dit que j'ai un niveau BTS parce que j'ai fait la première année. J'ai même pas fini la première année pour les problèmes familiales. J'ai mon bac, j'ai mon BP prêt à porter. Et j'ai mon CAP au Cameroun, mon CAP couture au Cameroun. J'ai mon CP au village, au Bala. Quand j'étais au Cameroun, j'ai mon cœur aller repartir sur ma page, refouiller sur ma page. J'ai mon cœur où j'étais à l'école au village. Je vous ai donné mes écoles. Allez fouiller mes écoles, vous allez trouver mes diplômes. Et je dis que ça m'énerve encore. Je commence à vous montrer mon premier diplôme que j'ai obtenu en France. Le BP prêt à porter. Vous voulez me descendre. Tu t'exprimes pas bien en français. Tu fais les fautes en français. Tu veux maman a BTS. J'ai jamais dit que j'ai un BTS. J'ai bien dit le niveau. Je crois que je m'exprime encore en français. Même comme mon français est un Brakata. Vous ne pouvez pas descendre ce qui est propre. Vous la tête à vous. Vous qui venez, quoi que vous pouvez me rabaisser. Vous croyez que vous pouvez m'éteindre sur Facebook. Venez maintenant relancer ce défi. Vous les petits stars, les petits gens qui croient venir me descendre, qui croient venir faire quelque chose. Merci Estelle pour tes étoiles. Merci. Merci Lovely. Ngossa, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Oui, il aura chacun à son niveau. Exactement. Lorwanda, Ndolo a chacun son niveau. Exactement. C'est ce que je voulais te répondre ce matin, Ngossa. 400 personnes, je ne te clash pas. Je viens juste te montrer mes œuvres. C'est que je faisais avec le piment de 50 euros. Merci, Loveline, pour tes étoiles. Je voulais juste te montrer ce que j'ai fait avec mes 50 euros. Toi, tu dépends de Facebook. Tu dépends de beaucoup de choses. Mais moi, je ne dépends pas de Facebook. Tu me vois pas enchaîner les directs comme toi. Hey, ma Nancy Beauty. Ma Nancy Beauty, la sœur de quelqu'un. Merci pour tes étoiles. La sœur de quelqu'un. Soyez fiers. Je suis un exemple. Je peux parler de la jeunesse. C'est comme ça qu'on impacte. C'est comme ça qu'on impacte la jeunesse. Comme Flore avait dit, quand vous venez en Europe, mes amis, ne vous amusez pas. La première chose à faire, cherchez vos papiers. Comme Flore avait dit. La première chose, cherchez vos papiers avant toute chose. Mais donc, dès que vous avez à vos papiers, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ngossa, tu as touché de l'argent en France. Tu as fait le waka. Et tu fais toujours le waka. Tu donnes ton argent aux hommes. Tu as vendu tes produits. Tu avais de la cosmétique. Ça en est où? Tu as vendu les ceintures, les sacs. Tu en es où? Facebook, quand je gérais ta page, tu gagnais 3000 euros. Tu en es où? L'argent de la milliardaire que tu partais dans les restaurants, les grands restaurants, avec
Thierry la pute, c'en est où? Regarde tout ce que tu as eu comme argent. Mais moi, avec ma pute de 50 euros, ma pute de 50 euros, tu as vu mes immeubles? Merci, Loveline. Merci. Tu as vu mes immeubles? Là, j'impacte la jeunesse. Suivez mon exemple, mais pas aller vendre le piment. Mais si vous pouvez même vendre le piment et que vous arrivez à faire quelque chose de bon avec et que vos parents sont fiers, faites-le si vous pouvez. Je ne peux pas avoir honte de ce que j'ai accompli. J'ai mis ma grand-mère. Ma grand-mère, sa merci. Mais dis que ma grand, comment tu vas, Flore Chupinette? Ma grand-mère, sa maison est tombée. Je construis la maison de ma grand-mère. En un an, Ngossa, je construis la grand-mère, la maison de ma grand-mère, que celle-là, j'ai construit ça avec mon argent de cul de 50 euros. J'ai construit en un an 30 millions que j'ai dépensé dans la maison de ma grand-mère. Je construis sur 300 mètres carrés. Tu sais ce que ça s'appelle 300 mètres carrés? Le dit que c'est grand, rien que c'est manque de dedans, avec mon cul de 50 euros. Tu crois que ma famille ne peut pas être fière de moi? Deux immeubles. Ma maman a les immeubles. Ma maman, vous avez vu la maison de ma maman? L'immeuble de ma mère. Oh là là, Estelle Ange. Ouh là, vous êtes en train de me tuer, Loveline là. Estelle, vous êtes en train de me tuer avec les étoiles. Merci. Merci. Il y a un moment, il ne faut pas saler ce qui est propre. Tu mets les voices. Tu mets ceci. Tu mets cela. Où en est ta vie, Ngossa? Ta vie en est où? Je ne t'insulte pas aujourd'hui. Merci, Samira. Ramatou. Ta vie en est où? Je répète encore. La milliardaire t'a aidé. L'argent passait. Je voyais l'argent qui passait. Là, je ne peux pas vomir sur ce que je voyais. Tu vendais les sacs et les ceintures. L'argent est passé où? Comment dire, tu vendais ton jansan, Ndossa. Quand tu es foiré, tu pouvais faire 1000 euros par semaine. Quand tu n'as pas trop vendu, c'est 400 euros. J'étais là. Je ne peux pas parler la chose que je ne connais pas. Je parle ce que je connais. Maintenant, tu touchais l'argent de Facebook. Tu as fait la pute. Et tu continues à faire la pute. Parce qu'on le faisait ensemble. Et je le confirme ici que toi et moi, on faisait la pute. Et tu n'as jamais arrêté de faire la pute. Mais sauf que quand tu finissais de faire la pute le soir, Thierry venait reprendre. Thierry, la pute, venait prendre cet argent-là. Qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Qu'est-ce que tu as aboli? Qu'est-ce que tu as impacté? Qu'est-ce que tu as influencé? Qu'est-ce que tu as fait de ta putain de vie? Mais moi, je viens de te montrer tout ce que je viens de faire de ma putain de vie depuis que je suis en Europe. Tu crois que moi, ma famille n'est pas fière de moi? Ma famille est très fière de moi. Mon mari qui est à côté de moi est fier de moi. J'ai fait monter mon mari. Je l'ai caolisé. J'ai donné les papiers à mon mari. Je suis allé au Cameroun. Maintenant, il travaille. Il a un CDI. Et il a un bon salaire de 2000 euros. Et je suis fier de mon mari. Je l'ai caolisé. Il y a beaucoup de filles ici-là qui viennent au Cameroun. Qui partent prendre les gars au Cameroun. Qui viennent les jeter comme du papier. Mais ma part, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ça fait 10 ans que je suis avec mon mari. Je l'ai fait venir du Cameroun, le caolisé. Et je suis fier. Vas-y, Flore Chupinette. Pose ta question. En quel moment je dois avoir honte? Merci, ma Nancy. Merci, ma soeur, pour tes étoiles. Vraiment, merci pour tous ces gens qui m'envoient les étoiles. Je dois avoir honte à quel niveau? Mon mari touche 2000 euros. Tu me mets à l'épreuve, viens te montrer son salaire. Je suis fière de lui. Il ne m'a pas quitté. Malgré que les gens l'ont dit que oh, la fille là, il ne m'a pas quitté. Il m'a assumé et il continue à m'assumer. Bonjour, la FP Mafouchou. J'espère que tu vas bien, Kota. Chénésia, tu as vu? Chénésia, ça commence déjà, hein, Chénésia. Vous voulez que je dois avoir honte à quel niveau? Mon mari est fier. Il dit que même encore ce matin, on a niasse. Les problèmes que tu as là, je t'ai seulement dit que fais l'erreur. Partage seulement la nudité de mon mari. Envoie ça à quelqu'un et quelqu'un vient m'envoyer. Ngossa, tu n'as pas encore fait la prison. Gagou viendra te rendre visite en prison. Essaye. Je te regarde les yeux dans les yeux. Comment ton mari... Chupinette, c'est passé. Hein. Chupinette, non. Chupinette. Ah oui, ah, mais attends.
Comment ton mari a fait quand il sait qu'il te partage avec les autres banzizi? Je suis pinette. Je ne peux pas te répondre. Tu peux me poser la question là en aparté. Je vais te répondre. Laisse les problèmes de Facebook. Ma choupinette d'amour, ne viens pas me poser des questions comme ça. Appelle-moi en aparté. Laisse le jeu de Facebook. Il faut laisser le jeu de Facebook. D'accord? On est dans Facebook. Et c'est le game de Facebook. Il faut laisser ça. Ok? Voilà. Pose-moi ça en aparté. Je vais te répondre comme ça se doit. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Ne viens pas me poser ce genre de questions là ici. Surtout quand je parle avec certaines personnes en aparté. À tout ce qu'on vous dit, on est en guerre. Même si on manque, on est en guerre. Donc j'espère que tu as compris un peu mon message, Chupinette. Donc c'était un peu ça. Vas-y ma soeur chérie, si tu as quelque chose à dire. Ouais. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'ai l'impression que vous êtes en train de... Quand je vois les commentaires, les gens viennent jouer sur ta page là comme si c'est la foubadée. Chupinette, si tu aimes vraiment Ndolo Moulema, ce n'est pas les questions à venir poser. On t'a dit que le dos de son mari est large. Tu n'as pas été justifié sur le salaire de ton mari. Jamais. Tu n'as pas été justifié. Tu parles de toi et c'est qu'on parle. Quand tu dis que tu respectes, comment on appelle, quand vous dites que vous respectez Ndolo Moulema, vous n'avez pas le droit de venir commander, poser les questions bizarres. Ah, tu as mis quoi sur ton machin? Ah, que machin? Elle en France, il fait froid. Même moi-même là, je suis, j'ai le gilet. J'ai le gilet. Vous n'avez pas à venir vociférer. Ce n'est pas la cour du roi Péto. Respectez sa page. Respectez sa page. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Il faut laisser qu'elle fait le direct. Vous êtes là, vous ne mettez pas les cœurs sur le direct. Vous n'alimentez pas le direct. Vous êtes là, vous posez les questions bizarres, à dormir debout. Tu veux que quand tu aimes quelqu'un, ce sont les questions que tu ne dois pas poser. Faut pas poser les questions comme ça, Chupinette. Tu connais de l'homme Moulema. Si on vient te poser une question comme ça, en plein direct, comment tu veux faire? Que vous l'aimez, mais vous voulez que elle chute. Après, vous serez les premières personnes à aller se moquer d'elle. Exactement. C'est quoi le but en fait? C'est quoi le but? Quand vous aimez quelqu'un, soutenez-la dans son combat. Si vous ne voulez pas la soutenir, vous laissez l'autre qui vient dire que oh, tu as mis la couverture sur ton machin. Elle met ce qu'elle veut. Soit vous l'acceptez comme elle est là. Soit vous arrêtez de venir là distrait. Faites ton direct. Ok. Je suis là. Faites d'accord. Ton direct. C'est pas qui ça, non? Voilà. Merci pour ton coup de gueule, ma Nancy Beauty. Donc, c'était juste pour vous dire, vous savez, vous n'avez qu'à dire tout ce que vous voulez, que oui, même si on meurt et que les biens restent, c'est pas grave. On peut mourir, les biens restent. Tout est vanité. Mais tout est vanité. Mais là, présentement, là, je jouis de ça jusqu'à. Merci, Prisca Yango. Hein? Tout est vanité. Oui, je te l'accorde. Tu peux avoir les immeubles, tu meurs, tu laisses ça. Tu peux avoir les habits, tu meurs, tu laisses ça. Mais pour le moment, là, je ne suis pas encore morte. Donc, je profite encore. Je profite encore de ça. Bien. Et ça ne chauffe pas. Loveling. Loveling, tu as avec les étoiles aujourd'hui. Là. Merci, Loveling. Merci, Estelle. Merci pour vos cœurs. Voilà, exactement. Donc, il y a un moment. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on vous manque les preuves. On vous manque tout. On vous manque tout. Merci, mémé. Merci, mémé. Voilà. Merci. Corcovado. Merci. Ndolo Moulema bis assume sa vie. Et nous sommes en Europe. Chacun fait sa vie comme elle veut. Merci. Et il faut laisser Flore Chupinette. Elle aime appuyer sur déranger Flore Chupinette. Elle aime trop appuyer sur déranger. Alors qu'elle a mon inbox, si elle me posait vraiment les vraies questions, elle peut lui répondre. Moi, ça ne me dérange pas. Ah ah. Ça, ma faux floche. Non!
Ouh, mais qui vient encore m'envoyer? Merci, ma soeur Nancy Butiputek. Ouh là là, pour mes. Ouh, ouh. Eh, la star, mais sans le couple, mais ça est là. Le couple, mais ça est en place. Envoie les cœurs pour le couple, pour notre star, la star me sent, elle est là, la femme qui a prouvé qu'elle ne répond pas à n'importe qui, elle ne répond pas à n'importe quoi. La femme qui est toujours coquette, la femme qui prépare ma bête le nyanga, la femme qui est toujours souriante, continue à rester comme ça, la star me sent, la star, la star, la star. Donc, sur ce, merci FP Mafouchou, merci pour tes conseils. Ah! Choupinette dit que quitte ma relation avec Dolo Moulema. Je te dis, mémé, je te dis, Dongosa, tu as vu, je suis à presque 500 personnes sans te clasher. Je suis venu manquer mes œuvres, mes deux immeubles. C'est vrai, tout est vanité. Eh, si, maman Sylvie Ténière, bonjour là-bas. Eh, ma Carly, comment tu vas, ma Carly? Merci, Thérèse Francine, merci pour tes cœurs. Merci. Non, il y a Chenezia, Kalmdoum, il y a Chenezia qui est venue donner les coups ici, là. Donc, mon pipi du matin, c'est ce que je prends tous les matins, maintenant, ça fait 3 jours. Mon pipi, donc, ça a commencé déjà à enlever un peu les, il y en a quand même encore, il y a encore les taches, parce que là, c'est les grosses taches qui résistent, mais ça commence déjà quand même, ma face commence même quand même à briller. La lionne veut faire encore le désordre. Ouais, la lionne. Même toi, tu veux faire le désordre, la lionne. Yeah! Oui, Thérèse Francine, on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà, mais Véronique Amas, quand tu racontes un homme, tu as bien d'autres zizi. Pourquoi vous êtes comment? Boma Danger dit, Ndolo Chou, s'il te plaît, tu conserves la vidéo de Binda de la milliardaire. Je vais garder au nom. Donc, bah, si tu veux garder, ça va, c'est efficace. Oui. J'essaie pour le moment. Au bout de quelques semaines, je vous dirai vraiment si c'est efficace. C'est ce que Chenezia, elle nous a donné beaucoup de conseils la dernière fois ici, là, quand on faisait un direct. Oui, Catherine, mon piment pique. Oh, Estelle et Love Lynn sont en train de me gâter avec Nancy Beauty, ils sont en train de me gâter avec les étoiles. Vraiment, merci. Ça prouve que vraiment, je mérite. Ma Safi, merci. Là, est la vraie, je n'étais pas vu la vraie. Bonjour, Maria. Il y a beaucoup de gens que je n'ai pas vu. Le justicier, je n'ai pas vu. La lionne, tu déranges. Tu aimes trop le désordre. Mbomambo, moi, j'ai vu. Ah, Ferry. Ferry Vanity dit que moi, je n'ai pas moi tes immeubles là. Bonjour, Berlin. Oui, Ndolo, piment caviar. Ah, Berlin. Piment caviar, c'est comme ça qu'on va nommer ça. Piment caviar. Voilà. Non, Carly, tu n'avais pas suivi. On avait fait, Carly Douce, on avait fait le direct pour ça. Il y avait Chenezia. Elle a fait l'école pour ça. Elle nous a dit ce qu'il fallait faire. Pourtant, on a montré plein de produits et tout ça là. Oh, Mackenzie Dika, ma baisse de cœur. Merci. Tu aimes tout le désordre, la lionne. Tu aimes tout le désordre. Te voilà. Hein. Oui, Gisle Olinga. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Oui, hey, sucré, salé, piment. Ouais, on va rembourser tes étoiles quand? Sucré, piment. J'ai essayé, je me suis abattu, sucré, piment, salé. Il dit que j'ai essayé, Congo, ça te remet tes étoiles, elles n'arrivent pas. Oui, les pipis du matin. Moi, je fais pipi le matin, les premiers pipis du matin. Donc, tu prends avec le coton et tu imbibes sur les tâches concernées. Mais, maman... Moi, comme j'ai dit, il faut boire beaucoup d'eau pour que le pipi là ne soit pas, l'odeur ne soit pas forte. Hein. Donc, faut, je ne sais pas si on dit la pipi ou le pipi. Donc, que l'odeur ne soit pas forte, en fait. Donc, tu mets ça, tu imbibes sur les taches noires. Et vous voyez comment ma face brille déjà un peu. Maman, parce que je commence à prendre soin de moi, pour soin de ma face. Maman, je veux comment on me prenne pour égérie, non? Comment tu vas, Suzy Olo? Comment tu vas? Exactement, FP Mafouchou, chacun sa vie. Eh, la tata Flor Kungan, comment tu vas? La tata Flor Kungang, bravo pour tes réalisations. Avance jusqu'à ta vie. Ceux qui ne connaissent pas le prix du pape, c'est ça exactement. C'est ça. Non, je n'allais pas la peau. Je reste moi à la fenêtre, on refuse ma question. Non, la lionne, je refuse. Oui, non. Apparemment, il y a un quota qui est venu dire dans mon. Elle a répondu que quand tu mets, après tu rinces après.
Moi, la dernière fois, je suis resté une journée avec ça, comme j'étais à la maison. Surtout quand tu es à la maison, il faut le mettre. Oui, voilà, après, il faut rincer. Voilà. Voilà ce que Carly la douce dit. Voilà. Voilà ce que Carly douce dit. Il faut rincer après. Piment salé, si que tu vas te battre, qu'elle me remette mes étoiles. Sinon, moi, je vais prendre tes biens. Pardon, le prends pas, pardon. J'ai trop souffert, maman, le piment de 50 euros, maman. Le piment de 50 euros, comment tu veux prendre mes biens? Non. Ton mari t'aime et t'encourage. Ne gère pas le reste. Merci, FP Mafouchou. Exactement. Donc, pour vous dire que je n'ai pas honte, matin finissent les tâches et les boutons. Oui, oh, les boutons, oui. Les boutons, ça brûle. Ça a brûlé les boutons. Regardez, ça brûle. Le bouton, ça brûle. Hein, le pipi, quand tu mets le pipi du matin, ça brûle le bouton, maman. Et ça pique, hein. Quand tu mets ça, pique. Non, Chupinette, tu as menti. Tu as menti. Donc, c'est là que la Cota avait raison que ça fait comme l'acide. Donc, quand tu as le bouton, ça brûle. Ça sèche le bouton. Ça sèche. Et quand tu mets sur le bouton, maman, ça pique. Hein? Ah, si tu as beaucoup de boutons, je n'ose même pas imaginer alors ce que ça peut faire. Et il y a aussi une Cota aussi qui m'a aussi donné aussi d'autres astuces. Le café, elle m'a dit le café, le citron, le miel, le café, le citron, le miel, elle m'a encore dit, et l'huile d'olive. Voilà, donc je vais d'abord finir d'abord pour l'histoire des pipis là. Si ça marche, tant mieux, mais je vois quand même que ça avance. Au cas concret, je ferai ce que la Cota m'a indiqué là. Elle a dit le citron, le miel, le café et l'huile d'olive. Tu mélanges et tu fais comme un masque. Oui, c'est ça. Le chat boit, la caravane passe. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je ne comptais pas faire un direct long. Regarde, j'ai 500 personnes. Alors que je ne suis pas en train de te clasher un gosse. C'était juste pour te dire qu'il y a un moment, on veut se rabaisser à ton niveau. Il y a un moment, on veut être piétiné à ton niveau. Mais dans la vraie vie, tu ne me vaux pas. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui me dépassent même. Mais tu ne les vois pas bavarder. Tu ne les vois pas vociférer. Au moins les 400 personnes, sur les 500 personnes qui me suivent là, il y en a beaucoup qui me dépassent, qui ont peut-être les 3 immeubles, les 4 immeubles, les 5 immeubles, mais qui ne font pas le bababab. Toi, tu n'as rien. Et toi, tu veux venir éteindre les gens qui ont quelque chose. Tu peux comprendre qu'il y a... Tu es maudite. Tu es maudite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cerveau. Tu es maudite, Ngosa. À quel niveau toi et moi se ressemble? À quel niveau toi et moi on est pareil? À quel niveau on se fréquentait même? Pour moi, maintenant, tu es une connaissance, tu n'es plus une copine. Ah, un peu de musique, hein? Non, moi, je voulais arrêter. Moi, je voulais arrêter. Il faut que j'aille préparer, vous savez. Quand monsieur rentre le soir, il faut qu'il couvre la popote. Oui, j'aime mon mari, même jusqu'à le feu sort. Il m'assume demain après demain. Et ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans, Gossa. Merci, Estelle, pour tes... Ouh, Estelle. Ouais, tu es en train de me faire ça propre. Merci. Nancy Butch, tu es en train de me faire ça propre. Loveling, vous êtes en train de me faire ça propre, les étoiles. Merci. Merci. Donc, Gossa, c'est ce que je voulais te répondre pour te montrer les propriétés de ma mère, te montrer qui je suis. Oui, ma Foufleur, oui, effectivement, voilà les étoiles, exactement. Le goût de ça, oui, Thérèse Francine. Donc, c'était juste pour te montrer ça. Maintenant, j'ai tellement lancé les défis. J'étais dit que viens comme ça, là. Tu fais A plus B, 2 plus 3 égale 23. Viens devant les gens, tu montres que tu sais écrire. 2 plus 3 égale 23. On quitte sur ça. Voilà. Donc, Ngosa, si vous venez te répondre, le piment de 50 euros. Maintenant, ceux qui n'étaient pas là au départ, vous allez revoir ça. La TK Woubou. Il y a Mbomambombo qui me dit tout ce qui se passe dans votre groupe. Mbomambombo, c'est que vous êtes en train de préparer sur moi. Je vous dis maintenant qui me donne maintenant la taupe qui est dans votre groupe. La taupe qui est dans votre groupe. Attends, je te donne le nom. Je vous dis maintenant c'est qui. Parce que je suis fatigué de cacher, tout le temps. Attends, je vous dis c'est quoi le nom. Alors, je vous dis. Voilà. Voici votre groupe ici, là. Le combattant de la liberté. Combattant de la liberté. Voilà. Voilà ça. Voici votre groupe ici, là. Voilà ça. Voilà votre groupe. Toi, ceux qui viennent accoucher l'enfant, là. Ceux qui viennent accoucher l'enfant, là. Toutes les vos, je les ai. Vous avez dit que vous allez
vous allez se débarrasser de moi. Vous avez dit que vous allez m'enlever de Facebook. J'ai tes voix comme ça. C'est toi ce qui part dans le groupe là. Tout le monde te répond. Il y a Christian de Monaco, il y a Mbomambombo. C'est Mbomambombo qui me donne tous les balles. Vous êtes tellement bêtes. Vous êtes tellement doux. Vous croyez que l'enfant de John peut l'éteindre comme ça là? Quand vous avez oublié, quand votre patron m'a fabriqué, c'est votre patron qui m'a fabriqué. Vous voulez m'éteindre comment? Vous dites carrément que. Attendez, je vous lis. Hein. Je vous lis ce qu'ils disent. Attendez, je vous lis. Attendez, je vous lis. Attendez. Voilà. Et regardez, Ndolo Moulema, elle va sauf que disparaître. J'adore la tenue que prend le game. Une est sola. On peut quitter une personne sans la trahir. Tout ce qui est en inbox reste en inbox. Les traîtres auront toujours une fin tragique. Ko Defao a dit, je vais pas parler parce qu'ils sont, ils parlent de paix, mais ça. En fait, tout leur petit groupe là, hein, elle dit que, elles vont, vous les abeilles là, vous êtes sur le colmateur, hein, parce que celle qui vient de faire l'enfant là, elle dans le groupe là, elle appelle Flor Kolongoi, vous savez qu'elle n'a jamais, elle n'a jamais aimé Flor, elle appelle Flor Kolongoi, maman les voit, la haine, écoutez, prions pour Ngossa, prions, parce qu'elle a attaqué de partout, c'est de rêve bien de pipi, je vous dis que, maman, les voix c'est comme ça, maman, c'est un bon ma pipito qui me donne tout ça là. Je vais vous laver. Donc, vous voulez m'éradiquer? Vous voulez m'enlever? Donc, vous êtes content? Vous écrivez que on est content de la tournure que ça en train de prendre. Tout le monde en train de la lâcher. Voilà tous vos écrits. Tous vos écrits sont là. Et que vous croyez que je blague? Voilà le nom que je viens de vous donner, non? Pour vous dire que vous n'êtes rien. Regardez. Non, je ne peux pas vous montrer. Ah, mais c'est obligé de vous montrer. Voilà ça. Regardez. Voilà ça. Tout ce que vous écrivez. Voilà ça. Vous êtes tellement une pétacologie. Oui, ma soeur. Non, non, t'inquiète pas. Abato. Mais on explique après. Ne te dérange pas, ma soeur. Ah, on est dans le game. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Bon, Mambombo Pipito, c'est elle qui me donne toutes les informations. Voilà. Tout ce qui se passe dans le groupe là-bas, là, on va jouer à ça. On va jouer à ça. Vous avez dit la dernière fois que j'avais une taupe la dernière fois, là. Vous n'avez pas compris, en fait. J'ai rien que tellement c'est infiltré. Vous allez lire, vous l'étiez cassé entre vous. Vous ne pouvez pas, vous pouvez pas m'éteindre. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il allait prier pour Ngossa. Il faut prier parce qu'elle a attaqué de partout. Toi qui viens de faire l'enfant là, toi qui fais le direct dans le noir là, là comment tu parles? Et tu es la seule à parler là-dedans. Parce que personne ne veut savoir, ne veut avoir sa voix. Je veux dire que je vais vous cogner les têtes. Je vais vous cogner les têtes. Vous avez oublié Pipi Mbomambomo, tu as affiché ma mère. Pipito, tu as affiché ma mère. Vous avez lavé ma mère, vous avez rincé ma mère. C'est toi qui me donnes les informations. Voilà, maintenant, cognez-vous les têtes. C'est bon à moi jusqu'à. Bonne journée.